Salut à tous, c'est Yvanel. Bienvenue dans ce Let's Play Axel World versus Sword Art Online. Précédemment, on s'est occupé de la tour de Vabel, dans l'espoir d'atteindre et de récupérer Yui. Et malheureusement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas obtenu le résultat souhaité. Et les choses ont d'ailleurs empiré concrètement, il semblerait. Mais le message final qui en est ressorti, c'est qu'il faut garder une lueur d'espoir, car tout n'est pas perdu. Et donc, eh bien, c'est dans cette optique que je vais déjà changer Asuna pour Kirito. Parce qu'on va retourner en ville et s'occuper de deux ou trois petites choses. Ok, voilà, comme ça. Ah! Attendez, si j'ai Asuna et Kirito dans l'équipe, je me demande qui est-ce qui nous attend ici. Ok, c'est Silvercrow qui prend cette place du coup. D'accord, très bien. Donc, ce que je voulais dire, voilà, on va retourner en ville pour calmer un petit peu les choses, pour souffler un peu après ce qui s'est passé dans la tour ainsi que les révélations qui ont suivi. Il faut prendre le temps d'assimiler tout ça et surtout ne pas agir sur un coup de tête. Donc déjà ce qu'on va faire, voilà, la barrière séparant les parties supérieures et inférieures de Nibelheim a été levée. Ça c'est un truc qu'on peut faire dès maintenant, comme ça, ça nous permet d'avoir accès à l'intégralité de l'île. En ce qui concerne la limite de vol hein, qui a été retirée. Et donc à partir de maintenant, on est très très haut, c'est plutôt sympa. On va laisser Silvercrow nous attendre bien sagement. Et pour l'instant, on va retourner en ville. Tant qu'à faire, je pourrais m'y téléporter directement. Ce serait plus simple. Voilà. Je fais juste ça pour bel et bien constater que la limite de vol a été levée. Et où se trouve la sortie? Ok, elle est par là-bas. Voilà, voilà. On a deux ou trois petites choses qui nous attendent en ville. Et on va s'occuper de Sinon et de l'épisode 3 de Navigation, déjà. Et puis étant donné qu'on vient de passer au chapitre suivant, il y a peut-être de nouvelles choses qui nous attendent. On va voir ça tout de suite. Ok, de nouveaux objets sont disponibles à l'achat dans la boutique. Ça déjà, c'est déjà pas mal. Il faudra que j'aille vérifier. Moi, je vais vérifier tout de suite d'ailleurs. Je viens également de recevoir un message ou peut-être des messages. Il a fait. Vas-y, montre-moi au niveau des armes, on en est où? On en est sur sabre faucheur, ok, ça ne m'intéresse pas. Accessoires, est-ce qu'on a éventuellement des trucs? Anneaux de longévité, ouais. Bon, il faudra que je regarde un petit peu à tête reposée tout ce qu'on peut récupérer maintenant. Mais il me semble qu'il n'y a pas de choses particulières qui pourraient m'intéresser. Ah si! Eh si, il y a des charmes rayonnants pour l'XP+. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça coûte un peu cher, mais... Il faudra que j'y pense. Et donc, pour l'instant... attendez, je vais consulter déjà le message que je viens de récupérer. Voyons voir. Il s'agit de Santa qui nous envoie un nouveau message pour les autres mondes. Donc, bonjour toi, laisse-moi te donner une petite astuce que j'ai apprise au cours de mon enquête. Il semble que pour faire apparaître les portes d'autres mondes dans une carte, il faille vaincre un boss de niveau. Ma prochaine étape est Flossild, alors rejoins-moi près de la porte si ça t'intéresse. Ouais, c'est ce qu'on avait constaté la première fois, et donc à partir de maintenant, on peut accéder à un nouveau niveau de la fin du monde. Donc ça, ça m'intéresse énormément, faudra qu'on s'en occupe prochainement, mais pour l'instant, on va s'occuper de Sinon. Alors attendez... Est-ce qu'elle est prête déjà? Est-ce qu'elle est prête? On va vérifier ça. Kirito aussi d'ailleurs. Kirito aussi. Oblitérateur, c'est vrai qu'il était là-dessus, mais je vais repasser sur les épées à deux mains. Sur les... Ouais, c'est ça. Non. C'est épée à une main, mais x2 quoi. Vous avez compris l'idée. Elucidator. Ouais, mais non. J'ai récupéré Vox Unitas récemment et j'ai bien envie de voir un peu... ce que ça donne avec... c'était quoi? C'était... héros. Voilà. Parce que je crois que c'est les épées qu'il a dans l'animé. J'aime bien. J'aime bien l'idée, on va dire. Donc avec ça, c'est bon. Et puis, sinon, où est-ce que tu en es? Je lui avais récupéré un arc il n'y a pas très longtemps, voilà. Amano Kago 451. Je pense que ça fera l'affaire. Et puis au niveau des accessoires... anneau d'argent, pourquoi? Récupérer plus d'argent. Bon, je me rappelle plus très bien pourquoi je lui ai mis ça, mais autant continuer sur cette lancée avec l'anneau d'or, parce que c'est mieux. Ouais, augmente considérablement le taux d'argent qu'on peut récupérer. Collier fatal.
pour les critiques, pourquoi pas. Et puis au niveau du talisman, alors peut-être un truc rayonnant pour l'XP, parce qu'elle est niveau 237, ça va pas du tout. Mais je pense qu'elle va récupérer un accessoire avec la quête navigation que je lui donnerai. Hein. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Probablement l'alarme de fée de quelque chose, d'un élément. On va voir ça tout de suite. Ou peut-être pas. Où est-ce que j'en suis au niveau des objets de soins? Rosé d'Yggdrasil, goutte d'Yggdrasil, 5-5. Super. On peut y aller. Alors, après avoir cherché les fées pour Kirito, sinon découvre un indice quant à leur emplacement. Un combat aura lieu. On est prêt. Normalement. Oh, Shino, saki ni kite tan da na. Osoi wa yo, Kirito. Mattaku. Yobi dashite oite anta ga okureru tte dou iu ryouken na no? Azu, suman. Ma ii wa. Kochi mo mada shirabe tsukushita wake ja nai shi. Shikashi, sugoi hon no ryou da na. そこら中の書庫からいろんな文献を集めてきたのよ。アルブヘイムは虚像の世界。歴史なんてありはしないけど、世界観や状況設定が数多く用意されてるわ。なあ、これも全部カーディナルが自動で作り上げたって言うんだから大したもんだよな。そうね。キリトが今回必要としていた小妖精についても記述は残っていたわ。本当か？ええ、小妖精、つまりピクシーとは、妖精という用語がついてはいるものの、私たちのような9つの種族の妖精とは、存在自体が大きく異なるらしいわ。存在が異なる？ええ、この世界には、アルブヘイムの地上で勢力争いをする妖精以外の存在がいくつかいるでしょ。ああ、大型クエストとかに登場する NPC の巨人族とか神族とかだろ。みんな北欧神話をベースにしてるよな。そう。ピクシーというのはどちらかというとそっちに近いみたい。天井に住まう神々の使い、もしくはこの地上の自然の化身として存在する精霊、そんな感じかしら。精霊。今回キリトが2つ集めたっていう小妖精のアイテムもその設定と関連してるのかもね。なるほど。それともう一つ、文献の中で興味深い話を見つけたわ。なんだ？これよ。随分と古めかしい本だな。ここに小妖精たちが住んでいたって場所が記されているの。何？ここがピクシーたちが住んでいた場所？そうらしいわね。おそらく文献によるとピクシーが暮らしていたのは相当昔みたいよ。つまりここは当時のピクシーたちが誇ったという映画の慣れの果て。ピクシーは滅びてしまったのか？そういう表現で書かれていたってだけよ。ピクシーたちは昔はもっと大勢いて隆盛を極めていたって。それ以上はわからないわ。Bon, ouais, ça ressemble à un donjon, tout ce qu'il y a de plus basique, je dirais. Ouais, même pas un petit endroit spécial pour l'ancienne demeure des pixies, non? Ok, vous êtes dur. Bon, alors, voyons voir. Sinon, étant donné qu'on l'a maintenant, je vais peut-être pouvoir exploiter un petit peu les flèches. Parce que... Ouais non, c'est pas celle-là. Voilà. Exploiter un petit peu les flèches élémentaires, et puis aussi pour les altérations d'état. Ça pourrait être sympa, ça coûte vraiment pas cher du tout. Donc je crois qu'on s'en sort à peu près pour 80 000 ou 90 000 pour en prendre le maximum quoi, 300, 200.
Donc ça coûte vraiment que dalle. Alors attendez. Peut-être que les ennemis sont vulnérables à... À quoi ici? À la lumière peut-être? Je dis ça parce qu'il fait bien sombre. Je sais pas trop. Donc on va essayer ça. Il est très joli ton arc sinon. Ah oui, c'est vrai. Et puis en fait c'est un truc que j'oublie complètement. Étant donné que... Voilà, sinon... Ce qu'il y a décrit sur elle, sur la base de données, j'ai complètement zappé de le faire quand on avait l'épisode avec l'IFA. Et ça, c'est vrai, je le reconnais, j'y pense plus du tout. J'y pense plus du tout. Donc allons-y, voyons voir. Une jeune fille très intelligente qui garde son sang-froid en toutes circonstances et qui est un faible pour la lecture. En combat, elle profite de sa vision améliorée de Kitesit et de ses dons naturels de snipeuse pour manier l'arc, l'une des armes les plus capricieuses du jeu, avec une précision mortelle. Pour les attaques à distance, même Kirito ne lui arrive pas à la cheville. En même temps, Kirito, les attaques à distance, il en fait? Je savais pas. Bon. Ouais, non, c'est vrai que les profils, j'oublie complètement de les lire. Pourtant, c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse, mais je le reconnais, j'oublie. En même temps, les profils, je me dis que c'est le genre de truc qu'on lit, voilà, quand on joue au jeu tranquillement, de son côté. Mais d'un côté, c'est vrai que ça m'intéresse. Non, enfin, tant pis, tant pis. Bon, en même temps, Kirito, Tu te calmes un petit peu parce que... Voilà, c'est quand même... Laisse-moi un, quoi. Laisse-moi-en quelques-uns. Bah, c'est des ennemis niveau 140, alors à partir de là... Ouais, c'est gentil, mais si tu veux mon avis, c'est plutôt qu'on est... On est un peu trop balèze pour eux, c'est tout. Ah. Oh, takarabako ga aru zo. Tondemonai horidashimono ga deru njanai ka tte, chotto wakuwaku suru na. Otakara meyate de kitan janai no yo, mottoku. ずいぶん古い本だな。ああ。どれも貴重な文献ね。大事に保管されてたみたいだけど、残念ながらほとんど朽ちてしまってるわ。そうか。待って。こっちの本はまだかろうじて原型を保ってるわ。読めそうか。コノルド語ってやつね。 自信がないけど、ちょっと挑戦してみるわ。翻訳に時間がかかって片言になっても笑わないでね。ああ、もちろんさ。頼む。 この領地へと逃げ延びた我々ピクシー一族は 天井へと帰ることもできず、ここで生きていくことを決めた。逃げ延びた？散り散りになった者たちは無事だろうか。だが彼らを心配する余裕すら我々にはなかった。なぜなら我々の存在を消そうとする 世界の闇が今もだかつのごとくここへにじり寄ってきているからだ。世界の闇？なんだそれは。 Bonne question. En tout cas, elle est plutôt pas mal celle-là. Ouais, ça rappelle un petit peu Lost Song. Et puis sinon, Kirito, là, on le voit très clairement. On voit très clairement l'épée qu'il porte dans son dos. C'est exactement celle que j'ai équipée. おそらく我々は近い将来滅亡の時を迎えるであろう。たとえわずかでも世界の闇による脅威を逃れピクシーとしての生き様を後世に伝える者がいてくれることを願うのみである。以上よ。
ピクシーたちはその世界の闇ってやつらに滅ぼされた。その生き残りがユイなのか。ユイちゃんは SAO からコンバートした存在だから、あくまで ALO の設定としてのピクシーがそういう扱いってことでしょうね。それに今の言い方だと全てのピクシーがここに逃げてきたわけじゃないみたいだな。そうね。いずれにしてもこれだけじゃ全部分かったとは言えないわね。確かに。Ouais, ça c'est certain. Alors, plusieurs passages. Voyons voir par ici. Déjà, il y a un coffre là-bas au fond. Ok. Voyons voir ce qu'on a par ici. Ça va nous ramener je sais pas où. Et si on trouve un peu d'argent, très bien. Je me rappelle plus d'après la carte, ça doit pas être un donjon très... Enfin, ça doit être l'un des premiers donjons qu'on peut visiter, je pense, vu qu'il est pas très grand. Mais je saurais pas vous dire où est-ce qu'il était. Attendez, je vais vérifier. Est-ce que c'est parce que j'ai des flèches de lumière ou est-ce que c'est parce que les ennemis sont faibles? Si je mets ténèbres. Ok, c'est parce que les ennemis sont faibles, je crois. Embranchement. On va d'abord aller voir ce qui se passe par en bas. A mon avis, c'est pas par là qu'il faut aller, de toute façon. Voilà, voilà. Je vais remettre autre chose. Ouais, bon. Qu'est-ce qui se passe par ici? Flèche de vent, plutôt, pour ça. Ok, encore un coffre. Voyons voir. Pierre brune x3. Ok. Ça devrait servir pour des améliorations. Chose que je ne fais pas souvent. Je suis encore en train de continuer d'améliorer le niveau de forge de Lise et de Rain. Parce qu'étant donné que je trouve des armes de rang 7 maintenant, 7, 8, voire 9, je suis pas encore... La forge n'a pas encore le même niveau, donc je peux pas les booster malheureusement. J'espère que ce sera vite possible. Ok. Kirito, il est perdu. Kirito? Kirito, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Et c'est ça que vous appelez une fée. Une fée qui galère quand il faut s'envoler de 3 mètres. Ouais, par contre, moi je sais pas trop si tu vas y arriver. Non mais fais quelque chose là, arrête. Voilà, désolé, il fallait que je l'aide un peu parce que le mec, il en peut plus là. Allez, dépêche-toi. Ah, oh, sérieux. Un coffre vert ici, d'accord. Donc c'est un donjon qu'il y avait sur Flusshield. Je pense que c'est celui qui était à gauche de la grande tour, là où on avait combattu Yellow Radio. Ça me rappelle quelque chose. Pas de problème. Ok, ça y est, il m'a rejoint. Allez, c'est à toi de jouer. Voyons voir, montre-moi tes épées. Ouais, c'est vraiment... Sauf que la couleur, c'est peut-être pas ça. Enfin bon. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Vivement que je trouve Dark Repulseur. Ok, tiens. Oh, je sais, t'inquiète, je sais parfaitement, mais... Puisque je suis là... Ok, rien par ici. Ouais, bon bah c'est tout droit, hein. On va se faire le boss. J'aurais pas réussi à remplir ma jauge de switch.
C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Kirito, watashi no hou nara mondai nai wa. Ok, on y est. あいつはこのダンジョンのボスモンスターみたいね。あいつがもしかして世界の闇ってやつなのか。さすがにそれは違うんじゃないかしら。このボスが弱そうとまでは言わないけど、さすがに世界の闇って名乗るほどの風格は感じないわ。まあそうだな。おい、 ご機嫌を損ねたみたいだ。シノンが風格ないとか言うからだぞ。あんた、人のせいにしないでよ。どちらにしろ、倒しておかないとダメそうだな。おしゃべりはこれくらいにしましょう。バトル開始よ。OK, très bien. Kirito, ぼさっとしな。 Ok, je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà, je baisse ses stats. Qu'est-ce qu'il va faire là? もしかしてここで死んでいったピクシーたちのことを気にしてるの？ああ、自動生成したとはいえ、カーディナルはどうしてその設定を作ったんだろうって思ってる。そうね。Ouais, ça c'est vrai ça. Ça c'est carrément vrai. Bon. Ok, super. キリト、あと一息よ。もう少しで倒せるはずだわ。お、お、何よ。意外そうな顔しちゃって。いや、そうやってシノンの方から葉っぱをかけてくれるなんて珍しいなって。うるさいよね。あんたがもたもたしてるからでしょ。さっさと倒すわよ。ああ。これでもくらいなさい。あ、マス。 Il m'a bien eu. Il m'a bien eu là. J'ai essayé de faire un truc qui n'a pas marché. Je vais réessayer. Vas-y. Vas-y. Ouais, c'était pas terrible. Je pensais pas que ça l'achèverait. Je pensais pouvoir lui tirer dessus. Apparemment, c'était pas la peine. Ok, super. この地で滅びたっていうピクシーたちのことがまだ気になるのね。 エールを盛り上げるためのただの状況設定なら、それで構わないんだが。どうも、それだけじゃないような気がしてな。とりあえず町に戻りましょうか。おそらくここにこれ以上留まっても得るものはないだろうし。そうだな。 Ouais, sauf que bon, c'est dommage, j'aurais pas pu récupérer le coffre qu'on voit là-bas au fond. J'avoue que c'est un peu frustrant. Enfin bon. さて。また調べ物の続きをするのか？ええ。どっかの誰かさんが消化不良のままだからね。シノ。ありがとう。別に私も気になるからそうしてるだけよ。 それにしてもシノンはなんでメガネしてるんだ？ VRMMO だとメガネしても意味はないだろ？むしろシノンはケットシーだし、視力はダントツでいいと思うんだけど。そうね。中にはフルダイブ適性が低くて
遠近感が損なわれる人もいるみたいだけど、私はおかげさまでこの世界で視力は相当いい方だと思うわ。じゃあなんで？現実の私を知ってるでしょ。こうしてアクセサリーのメガネをしてた方が集中できる気がするのよ。なるほど、験担ぎみたいなもんか。そういうこと。じゃあもう少し調べてみるわ。何か分かったら連絡するから。ああ、よろしく頼むぜ。 OK 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 Donc à partir de là... Alors attendez, déjà j'ai récupéré un accessoire, l'arme de fée de je sais pas quoi. Sauf que sinon elle est pas ici. Hop là, voyons voir. Est-ce que je peux lui équiper ça déjà? L'arme de fée de terre. Très bien, renfort anti-terre, ok, une petite protection contre ça. Ouais bon, pourquoi pas, hein. J'imagine pas spécialement sinon être... Oh, quoique... C'est vrai que dans Gun Gale Online, avec les armes à feu et tout ça, la terre, ouais, peut-être. Bon, on va pas chipoter. Bon, mis à part ça, est-ce qu'on aurait pas éventuellement... Ah, si, je crois qu'on l'a déjà. Je crois qu'on l'a déjà, il semblerait qu'on ait déjà l'épisode suivant de navigation. Ouais, c'est ça. Et cette fois-ci, c'est Asuna qui nous attend. Épisode navigation, épisode 4. Asuna est la prochaine à recevoir l'image d'une fée en relief. Accompagnée de Kirito, elle se rend à l'endroit représenté sur l'image. Ok, autrement dit, on a l'épisode 4 de navigation et de mystification. Et puis, étant donné que c'est avec Asuna et Black Lotus, il est probable que ce soit les derniers. Donc, il faudra s'en occuper prochainement. Mis à part ça, on a une personne suspecte ici. Ouah, quel palace! Faut être tuné pour vivre ici. Pareil que c'est une Kaid site. Oh! Et qui donc? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et ici on a également deux personnes suspectes. J'ai une petite amie. Youhou, merci, merci. Fontaine de ralliement. Ok, ok. Tous mes vœux de bonheur. Bon. Amélia, tu restes là, tu restes tranquille. Hein. Tu fais pas de bêtises. Ce serait pas toi la Kaid site qui a la maison là-bas? Sait-on jamais? Sait-on jamais? Alors, voyons voir. Je vais vérifier. Est-ce qu'on n'aurait pas éventuellement un épisode de Parole de Strea qui serait pas encore visionné? Ok. Bon, remarque, est-ce qu'ils ont des trucs à raconter tous les deux? C'est plutôt animé par ici, ça me plaît. Avec mon mari toujours pas moins et par vous, Amélia occupe toutes mes journées. Ok, elle l'avait déjà dit. Rien de spécial, donc voyons ça. Voyons ça. Si on a un nouvel épisode, on va se le regarder maintenant. Autant en profiter. Et nous avons un nouvel épisode, le système d'incarnation. En plus, c'est quelque chose d'assez compliqué. Allons-y. お待たせしました。教えて、ストレア先生。第4回です。このコーナーはストレア先生と助手の黒雪姫がお送りする。前回ゲストのニコが大変好評だったので、今回もゲストをお連れしました。今回は男の子、それも女の子にモテモテのあの人です。ストレア、もしかしてハル？ではいらっしゃいませ。Oh la pauvre, c'est vrai qu'elle, la dernière fois c'était pareil, elle attendait Haruyuki. J'adore, elle pleure. なんか俺でごめんな。 いや、私こそすまなかった。 ではゲストも登場したことですし、早速お便りの紹介です。 教えてネーム、戦う鍛冶屋さんから。 OK, ça ça doit être Lise. おい、この微妙な空気は放っておいていいのか。 こんにちは。こんにちは。神技って結局のところどういうものなんですか。神技っていうのはね、思いの強さが具現化された技だよ。詰まるところ、愛、ラブだね。
だからサッチンが新技を使えてすっごく強いのはハルヤク。全然違う、ラブじゃない。bah si un peu quand même。想像、イメージだ。イメージ力こそが我々バーストリンカーの真の力なんだ。まあ確かにちょっと難しいよな。以前聞いた話だと、新技っていうのはプレイヤーが持つ強いイメージによってオーバーライドを引き起こして使用するシステム外スキルで、詰まるところゲーム本来とは違う挙動を具現化し書き換えることだと理解してるけど、これで合ってるか？ああ、そうだ。だけど一体どうやってイメージが事実を上書きなんてできてしまうんだ？そうだな、それにはブレインバーストの真意、インカーネートシステムの説明が必要になるな。ブレインバーストにはプレイヤーのイメージによって運動命令制御系をサポートする機能が備わっている。シルバークローの飛行が分かりやすいな。あれは何も逐一翼や肩甲骨を意識して飛んでいるわけではない。どうやって加速するか減速するかターンするか、無意識下のイメージがシステムに伝わり体現されているものだ。なるほど、同じ飛行でも ALO の随飛行とは結構違うように感じたのはそのせいか。このシステムはあくまで補助的なもの、アバターの動きを補完するためのものに過ぎない。しかし意識からあまりに早く強く発せられるイメージはプログラムの制約を超え具現化される。それがオーバーライド、黒雪たちの言う真意というやつか。はいはーい。ということは、私がすっごく早く飛びたいとか、かっこいい勝ち方がしたいって思えばできるのかな？いや、実際はそんなに簡単なものではないんだ。オーバーライドができるほどの強いイメージには確固たる確信が必要だ。確信が持てないものは具現化できない。例えば鋼鉄を切って両断したいのならば、切りたいではなく切れるに決まっているくらいのな。 OK、 donc autrement dit avec Blue Knight qui peut découper n'importe quoi ça veut dire qu'il est certain de pouvoir y arriver. Ça doit être quelqu'un d'assez prétentieux. そしてその確信を持つためには、長い時間をかけて得てきた経験と心の傷から生まれる強い願望が必要となる。ブレインバーストのシステムを、そして自分自身さえも騙せるほどの強い確信によるイメージ、それらができて初めてシーンをものにすることができる。明確に確信をイメージするのってすごく大変そうだね。ちょっとイメージしてえいやって魔法みたいにはいかないんだ。いや、大変なのはその通りだとして、実は重要なのはいかにイメージをロジックに当てはめるかなんじゃないか。え、そうなの？なんとなく見てきて分かったことは、新技には基本形としていくつかの型になるようなものがあって、全ての新技はそれらを単一あるいは複数を組み合わせた形で具現化されているんだと思う。そしてその型こそ経験と願望に密接につながっている。自身がどの型に当たるのか、そして何を欲しているのか、確固たる意志を持って取り組めば。驚いたな、キリトの言う通りだ。新技には基本となる型が4種存在する。射程距離拡張、移動能力拡張、攻撃威力拡張、走行強度拡張、どの新技もいずれかに属しているんだ。クローのレーザーソードは
射程距離拡張の分かりやすい例だな。なるほど。あれはパンチの射程を大きく拡張して手が届かない場所まで光の刃を伸ばす技だもんな。そうだ。そして新技には第二段階として複数の型を組み合わせた全く新しいイメージを具現化したものもある。私のボーパルストライクは射程距離拡張と攻撃威力拡張を組み合わせたものだ。へえ、すごいんだね。じゃあ4種類全部組み合わせたらとんでもない必殺技ができそうだね。おいおい、確かにそうかもしれないが、それが全て意思から具現化されるものだとしたら思考が振り切れてしまわないか、そっちも少し心配になるぞ。そうだな。キリトたちには全て話しておいた方がいいかもしれない。私たちが本来新技を語ることを禁忌としている理由はまさにそこにある。真意を扱うにはこれまで話した通り己の心の傷から生まれる願望を要する。自分の弱さと対峙しそれに打ち勝つ。生身の自分自身と向き合った者こそ真の強者たり得るのだが、力を求め己の心に開いた穴を覗く者は同時にその穴の底へと引き寄せられていってしまう。少しずつ沈むように。その果ての一つがクロムディザスターだ。負の感情に飲み込まれてしまった者はあのような怪物になってしまうこともある。うん、オッケー。だから私たち古参のバーストリンカーは一般的なバトルでは新技の使用を禁じ、新システムの存在を秘匿してきた。しかしそれを逆手に取り新システムを悪用して暗躍する組織もある。加速研究会。私たちはあいつらを許すわけには。黒雪と、すまない、話題がそれてしまったな。いや、話してくれてありがとう。そっちもいろいろあったんだな。そうだよね。私たちもいろいろあったけど、やっぱりゲームはゲームとしてちゃんと楽しみたいよね。あ、でもさ、最後に素朴な疑問があるんだけど、新技って私やキリトにも使えるのかな？おいおい、ストレア、さすがにそりゃ無茶だろ。そうだな。ニューロリンカーと違い、君たちのアミスフィアにはイメージによる入力系がないからな。しかしスキルコネクトのようなシステム外スキルを体得していたり、本来は AI であるユイやストレアと心を交わしていたり、正直君たちならば可能なのではと考えてしまうよ。おお思い返してみれば、つくづく君たちは規格外というか不思議な存在だな。褒められてると思えばいいのかな。さて、こんなところか。戦う鍛冶屋さん、質問の返答にはなったかな？新技っていうのはすっごく扱いの難しい、思いをパワーにする超必殺技だよ。まあそういうことだな。お疲れ、黒雪。毎回ストレアに付き合ってもらって悪いな。構わないさ。このコーナーにも少しずつ慣れてきたからな。それじゃあまた次回をお楽しみに。 OK OK très bien、du coup ouais il en reste encore un donc on verra ça plus tard on verra ça plus tard apparemment Black Lotus s'y est habitué. Pourquoi pas. Donc on verra ce que nous réserve le dernier épisode par la suite. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... Étant donné qu'il nous reste
plus que les deux épisodes de navigation à voir et qu'on les regardera plus tard, eh bien je pense que la prochaine fois on va démarrer le chapitre 14. Donc il va falloir que je retourne au sommet de la tour de Nibelheim. Maintenant je peux y aller sans problème, il n'y a pas de souci puisque la limite d'altitude a été levée. Et donc on démarre tout ça à partir de la prochaine fois. Et j'ai surtout hâte qu'on puisse aller dans un nouveau niveau de la fin du monde. Il faudra s'occuper de ça aussi. Mais bon, déjà, on commencera le chapitre 14 et on verra bien ce qu'il en est. Allez, sur ce, moi je vous dis bye et salut à tous.